Et je dis à mon pote, il y a une autre vidéo pour nous, suite avec la première vidéo que moi j'ai fait sur Canva côté que j'ai réellement présenté nous, toute interface Canva. Donc je dis à là, moi je vais présenter nous espace de travail sur Canva. Et avant que nous allions dans l'espace de travail, nous, si nous avons regardé dans l'espace là, nous sommes capables de série de modèles. La vérité, ça aussi, on sait de design qui fait sur Canva déjà. Avec dit des modèles ou capables juste utiliser pour capable faire propre design, pas juste modifier les éléments. Mais là, bah, comme moi-même, pas bah, vraiment utiliser modèle qui déjà créé. Avec dit, toujours créer propre modèle, pas top, propre design, pas. Ça aussi, c'est tout design qui va gagner pour capable créer sur Canva. C'est un pile bagay, bah yo en vraiment un peu sur Canva. Si n'a pas nous même tout nous connu, si nous garder ça on a pour être tout bah yo captain. Ouais ça yo. C'est un paquet de choses que vous capable créer avec Canva. Pour ça, immédiatement besoin créer un élément ça yo, objet cliquer dans la partie ça et puis comme ça vous avez une possibilité pour capable choisir soit une vierge ou bien soit un design qui fait déjà. Et je dis là, moi je vais simplement présenter nous espace de travail nous de façon à ce que nous capable connaître tout ça qui n'a bien besoin pour nous capable créer propre design par. Ok, je vais dans le modèle ça là. Bon, je vais créer un post Instagram. Post Instagram, non, mais pas forcément c'est un post Instagram que je crée. Je vais utiliser même ça pour créer un autre design. Là, je choisis créer une publication Instagram vierge. Cliquez sur plus là. Ok, là moi gagne un espace dans l'espace de travail moi là dans toute interface ça là si n'a suivre moi gagne un design qui vierge. Ça c'est moi même qui pral créer, sauf que nous beaucoup à créer ça m'a juste montrer nous m'bral présenter nous espace de travail là d'abord j'aime dire nous et puis en après n'a pas chance pour nous capable créer. Yon design. Déjà ça qui ça la pièce, c'est côté qui m'bral montre ou côté que ou capable, comment ou capable souhaiter yon joyeux anniversaire avec yon entreprise. Soit pour ou même, soit pour yon l'autre monde. Sou gen entreprise ou capable créer design ça pour lui, pour capable souhaiter entreprise à yon joyeux anniversaire. Et on constate tout capable créer le pour yon monde. Créer pour le monde, assurément c'est l'argent qui va faire. Ok, si nous regardons l'interface ça exactement, si toutefois moi je voulais retourner côté MTE avant, je vais aller dans l'accueil. Si toutefois mon tableau est redimensionnel, je vais cliquer sur redimensionner, mais à moins que avant tout, il faut me dire non, non, qu'il va. Il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie côté que vous capable jouer un élément gratis. Pendant ce temps, il y a une autre partie, c'est payant qu'elle. Les payants conseillent des éléments, conseillent des photos, conseillent des composants, vous capable jouer yo c'est payer pour que vous capable gagner, pour vous capable utiliser dans design yo. Donc c'est exactement ça parce que Canva lui-même est vraiment vaste. Pour ça, c'est soit si vous n'avez pas une capacité pour payer Canva ou utiliser partie gratis, qu'on a toujours une capacité pour payer Canva, conseille utiliser passer dans la version pour. Passer dans la version pour que vous soyez capable de jouer plus de privilèges. Ok. Donc, je vais présenter nous tout ça qui a besoin là pour capable créer un design. Si nous avons des modèles qui déjà
fait dans la même dimension design ça. Ça, c'est des modèles. Si on fait un gros dé dans le modèle ça, là, pas gagner ma vie utilisée. Pas gagner ma vie utilisée. Donc, si toutefois, tout a gagné un modèle d'écriture que je n'ai jamais utilisé, je suis capable de toujours utiliser et puis moi, éliminer tout reste design. Ok. Là, si je utilisé, si je essayé d'utiliser un modèle qui est déjà fait, c'est par exemple, je vais utiliser un modèle ça, moi, juste cliquer sur lui et bien, les monter dans l'espace. Dans l'espace design vierge que moi te gagne. À partir de là, je suis capable de modifier, changer, je suis capable de changer les outils ça, changer l'élément ça, n'importe. Et là, donc, et puis, ça, je suis capable de modifier le texte là, tout, changer, cette fois, je voulais retirer le texte là, juste cliquer sur lui. On va juste cliquer sur les. Puis, on efface. Cette fois, je vais quitter ça seulement. Je vais quitter ça seulement. On va effacer. Je vais juste sélectionner. Je vais faire backspace. Ok. Après, tourner. Côté MD avant. Je vais faire CTRL Z pour qu'on va retourner. Dans design vierge, moi. Ok. Quand y'a là, si je voulais changer background, je voulais changer background design, moi, je vais changer couleur à partir de là. Je vais changer couleur là. Je vais changer couleur dans zone ça là. Je vais changer couleur. Et puis, qui ça encore? Si j'ai besoin d'ajouter, si j'ai besoin d'ajouter, qui a besoin d'ajouter une image ou bien un élément quelconque, par exemple là, élément sont bagages que vous pouvez vraiment utiliser en pile en pile en pile. Les malins éléments, les malins éléments, et bien là, il y a possibilité pour me faire un paquet d'outils que je suis capable d'utiliser. Outils ça, c'est pour les graphiques qui me dit qui sont en sorte de mesure. Ça aussi sort des mesures. Ça aussi tout après avoir utilisé ça aussi tout dans l'infographie. Là, dans l'espace ça là, si vous voulez afficher tout, vous pouvez juste cliquer sur afficher tout. Et puis là, partie ça qui est le cadre, vous pouvez utiliser les outils ça pour capable insérer une photo en dedans. Comme si vous voulez faire photo à lui-même, prendre forme ça, et bien. Lorsqu'on insère une photo dans la forme, eh bien, la prend forme ça. Par exemple, ça, c'est tous les outils que nous capables de gagner dans la partie cadre. Là. Et quand on est capable d'afficher tout, lorsque vous affichez tout, eh bien, vous avez plus de possibilités, vous avez plus de design qui est capable dans le sens. Et puis, dans la partie ça, qui c'est gris, ça c'est si toutefois une photo à travail. Si toutefois une photo à travail, ça l'est même là vraiment utile. Ça l'est même là vraiment utile. Ça l'est vraiment utile. Donc, pour ça, pour partie cadre, là, je vais afficher tout avec nous parce que il y a un pile de bagaille nous supposé. Ouais, là-dedans. Sinon, regardez là, c'est là où afficher tout et puis où est tout design que vous avez besoin dans la partie ça. Tout ça, vous avez besoin pour faire une photo prendre même forme là, et vous avez utilisé forme là, pour faire photo prendre forme là. Ok. Si vous avez remarqué de même lettres alphabet, toujours dans style de cadre. Et puis nous gagnons chiffre tout toujours en style de cadre. Ça, vous. C'est vraiment important. Ok, nous pas prêts d'être là, mais nous avons juste fait une démonstration. Si toutefois, nous avons besoin, c'est que ça, pour que nous soyons capables de faire intégrer une photo en dedans. Je vais juste cliquer sur lui, et bien, le placer dans le design. Quand nous voulons intégrer une photo là-dedans, une image, bien, pour nous capables d'intégrer une image là-dedans, il y a une photo qui est déjà
On sait des images qui sont déjà prédéfinies, qui déjà dans Canva. Si toutefois il y a une image dans Canva qui aura aimé, que on a toujours utilisé, si toutefois elle pas payant et comme ça tout, il y a des photos qui gratis sur Canva, on capable toujours utiliser tant que on pas payer pour lui. Donc là, si par exemple on a intégré l'image dans le cadre, juste cliquer sur l'image là, et bien l'image moi-même est finie sur le design. Moi, constamment, je clique sur l'image là, et puis moi la gueule. Si je suis sûr, l'image là lui-même prend exactement forme cadre. Ok, donc n'a pas avancé toujours. Si toutefois, bon là, dans la partie importée, et si toutefois vous avez une image que vous voulez importer sortir sous ordinateur ou bien sous téléphone, vous voulez utiliser image ça sous Canva, ne vous prenez pas les juste aller dans importer. Ça c'est image qui moins importé déjà sur Canva. Ça va faire. Si c'est une vidéo, vous aller sur vidéo. Si c'est audio, vous aller sur audio pour capable importer. Bon, c'est une image m'a importé sur Canva. Moi prend dit importer des médias. Importer des médias, là on a une possibilité soit en vidéo, soit en audio pour capable intégrer. Moi prend importer. Bon, et là il y a possibilité pour capable importer une image sur Canva. Exemple là, m'a dit m'a prendre image ça, m'a pas importer. Prend image 1.png. Bah. Et bien là, image moi lui-même il est en load sur Canva. À partir de là, m'gain possibilité pour moi capable utiliser comme il peut réellement fin load. Et bien immédiatement le fin load, moi gain possibilité pour capable utiliser sur Canva. Là, il était sur bio moins, était sur ordinateur moins importé. À partir de là, on a cliqué sur lui, et bien, li nan design moyen. Li nan design moyen plate. Cette fois, m'a dit map. Ça pas ça bon. Mais quand on monte dans forme moyen, bon, c'est pas là, c'est pas ça m'a besoin faire. Donc OK. Donc là, ça sont images que vous capable réellement porter. Donc, c'est une démonstration que nous avons fait. C'est une démonstration. Là, vous avez possibilité pour importer une vidéo, une audio, quelques images comme logo entreprise ou capable importer. Ou bien l'autre image que vous voulez travailler, que vous voulez importer sur Canva, vous avez possibilité pour importer. Qui ça encore? Si toutefois vous voulez ajouter un texte, vous pouvez aller dans outil ça qui c'est texte. Lorsque vous texte, là vous avez une possibilité pour capable ajouter un texte. Normalement, ça va arriver en après ou changer pour lui. Mais vous capable utiliser un modèle qui déjà prédéfini dans la partie ça. Vous capable utiliser un style de police dans ça. Bon, ça y a déjà une forme, c'est une forme d'ajouter. On va utiliser ça. Et puis, les levées là, on va simplement modifier. Si par exemple, ça me le retire, simplement cliquer sur lui. On va attendre que ces formes, ces parties ça même qui sélectionné. On va faire backspace. Et bien, je supprime. On va rester seulement avec partie ça. Ça me va pour modifier. Il y a possibilité de me retirer partie ça seulement, de quitter ça seulement happy. Et puis on peut placer le côté où vous voulez. Côté où vous voulez placer. OK. Ça c'est pour texte. Toutefois, on a l'autre texte normalement vous voulez ajouter qui comme si pas un texte qui pourrait défini, on peut simplement utiliser un texte ça, soit ça tout là-dedans. Ça
les mêmes, c'est Colal qui changeait. Ok, à partir de là, vous pouvez faire un size. Vous pouvez faire un size pour augmenter, diminuer, mettre en gras, mettre en italique. Ok, soit placer, soit aligner, soit à gauche, soit au centre, soit justifier. Vous avez possibilité pour faire là maintenant. Vous avez possibilité pour faire là. Si toutefois vous voulez faire un lustapus, vous avez possibilité pour faire là. À partir de là, vous pouvez faire un lustapus avec Texo. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si toutefois tout, vous voulez supprimer un interligne, donc vous avez possibilité pour faire là tout. Donc à partir de là, vous avez possibilité pour capable soit augmenter interligne ou bien diminuer interligne. Comme si vous avez un espace net, vous êtes capable de faire et vous êtes capable de faire la partie de ça. Ça c'est pour interligne, ça c'est pour espace net. Ok, ça si vous avez fait ça, vous pouvez faire un travail qui a fait là, dans interligne. Si vous avez avancé à tout, vous pouvez faire un travail. Un travail qu'on fait au niveau ok ok bon on va ajouter un ancrage tout donc c'est comme on dit ça je pas quoi que j'ai besoin d'ancrage qui vraiment ancrage pas vraiment important pour moi donc quitter ça et puis qui ça toujours tout capable ajouter un effet capable d'ajouter un effet soit pour une image soit un texte si ma pas ajouté un effet bon on me dit ma pas ajouté un effet sur texte ça là là on capable ajouter là il y a possibilité de m'ajouter effet là ok ça on va ajouter là et plutôt moi c'est l'autre bail qui est vraiment important pour nous c'est là on allait dans courbe ça lui-même est vraiment important. À partir de là, on a une possibilité pour manipuler, ouais, pour virer le balai, pour couper le bovlet, avec Canva, c'est vraiment bon, c'est vraiment facile, c'est très easy avec Canva. Donc, si vous voulez ajouter une ombre dans l'image, dans le texte, rapide, vite, ombre dans l'image, il doit ajouter. Ok. Donc. Ok. Et. Là, là, il y a une possibilité pour nous joindre. On sait des styles. Styles, c'est toutefois que nous avons quelques couleurs. Nous avons besoin de police, tout ça. Nous pouvons toujours utiliser ça. Nous pouvons utiliser. Oh. Si par exemple, aller sous police. Bien, grave utiliser une police dans ça. Mais c'est toujours même police là, c'est toutefois mal prendre là tout, c'est toujours même bail. Si on mal prendre là, c'est toujours même bail. Si on mal prendre là tout, c'est toujours même bail. Mais c'est vraiment ajouter ça, quand on prend forme, et quand on prend style de police. Que moi cliquer sur le lien. Voilà. C'est le police là. Ok. Et arrière-plan. Si toutefois, je suis arrière-plan qui me arrière-plan qui me barre, mais bien, j'ai possibilité pour me choisir un arrière-plan là, dans l'espace ça là. Si par exemple, je choisis arrière-plan ça, et bien, je vais le monter exactement dans le background, imagine. Design, mais j'attends monter.
La montée, ça c'est pour arrière-plan. C'est ça, moi, mais tout, je choisis ça. Il pourra aller dans arrière-plan design. Moi. Ça va dépendre de goût. Ok, ça va dépendre de goût. Soit afficher tout, ou avoir tout l'autre background qui est vraiment côté que vous êtes capable d'utiliser. Vous pouvez utiliser pour design. Ok, donc c'est des graphiques que vous êtes capable d'utiliser toujours dans l'espace de travail. Ouais, graphique comme ça. Ça a démontré tout à l'heure. Ça, c'est le graphique qui est capable d'utiliser. Si toutefois, vous avez un plan, ou du moins, vous avez une étude qui vous a fait. Une étude qui vous a fait. Donc, ça a une possibilité pour capable utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça yo, de façon à ce que vous capable faire travail aucun pour faire. Mais c'est tout. Ou capable d'utiliser ça aussi tout le fait une présentation PowerPoint. Soit fait une présentation PowerPoint, vous voulez présenter un bagage, soit une étude des marchés, bah qu'on est. Donc, capable d'utiliser ça. Donc, mesure, capable d'utiliser ça. Ok. Donc, et son, on devrait dire son style de bagage capable présenter graphiquement. Ok, pour image, il y a une possibilité pour capable modifier l'image là. Modifier comme si balion bali soit balion comme capable travail photo, soit rendre une autre couleur par exemple ça capable filtrer tout ça, c'est un paquet de travail pour capable faire sur image. Pas les vidéos à trop longue. Okay, nous obligés pas trop travailler sur ça parce que nous-mêmes lorsque nous allons continuité formation n'a pas possibilité de travailler sur ça ensemble. Et puis sur une image que vous voulez changer, vous voulez changer le bord, vous avez possibilité pour aller dans retourner horizontal, on va voir image dans les rectangles virés vertical tout ça. Et puis, vous avez possibilité pour positionner, quel que soit image, soit texte, soit en forme, vous avez possibilité pour soit centrer, pour centrer au centre, qui va côté là. Au demeurant, dans pour page là, vous avez possibilité pour placer soit en bas, soit en haut, ou bien au centre. Ça, c'est pour page là. Mais ça, lui-même, ça, c'est pour positionner l'image là, lui-même. Vous positionnez là, soit positionner soit à gauche, soit à droite. Ou du moins au centre. Donc si je vais placer l'image au centre, et bien immédiatement cliquer centre, et bien les placer au centre. Ok, on va ranger l'image dans tout pour capable soit diminuer tout ça. Ok. Bon, et c'est toutefois design ça lorsque vous prenez. Bon, ça c'est déjà une démonstration. Mais pour capable, au fin créer un design, pour capable terminer, pour capable créer un design. Lorsqu'on créer design, et bien, vous avez une possibilité pour télécharger l'image. Design que vous créez. Mais avant de nous aller plus loin, là, vous avez une possibilité pour que vous partagez là avec un monde. Partagez là avec vos amis. Si vous avez partagé, vous pouvez mettre 1000 personnes là. Vous pouvez mettre 1000 personnes là. Soit si vous avez une équipe, vous pouvez mettre. Et puis, après ça, vous partagez. Et puis, vous avez une possibilité pour copier les liens. Ok. Bon, si toutefois, vous avez créé, vous avez créé design ça là, vous voulez ajouter une autre page, vous avez une possibilité pour dupliquer. Pour dupliquer page là là pour créer un lot dans même style c'est tout ce qu'on se gagne ou c'est ou gain badge qui va fait là vraiment besoin des outils ça pour capable vraiment dupliquer et design pour capable faire plus pour capable faire travailler plus rapide et puis tout là c'est qu'on est capable ajouter ajouter une page vierge donc bah ou qu'à supprimer le tout ou qu'à faire placer ou ka placer li en haut ou gen possibilité pou placer en bas
Donc ça yo c'est là pour capable faire gens de travail ça. Et puis bon, à partir de là, moi capable télécharger image moi. Donc tout ça yo planifier tout ça, bon ça c'est pareil pour les réseaux sociaux tout ça. Et puis donc t'as parlé sur ça yo, nous va simplement parler sur présentation. Présentation, alors excusez, nous va vraiment parler sur question téléchargement. Vous voulez télécharger ma joie, eh bien vous allez sur télécharger. Lorsque vous téléchargez, vous choisissez type de fichier pour télécharger. Là, aucune possibilité pour télécharger là PNG. En, aucune possibilité pour télécharger là JPEG. Aucune possibilité pour télécharger là PDF standard, PDF pour impression. Et puis, vous êtes capable de télécharger en format vidéo ou bien juif. Donc ça va dépendre des gens où vous voulez télécharger là. À partir de là, si toutefois il y a plusieurs pages, donc comme là, on va dire deux pages, là, si c'est une page, une graine, si c'est une graine page que vous voulez télécharger, vous pouvez sélectionner page que vous voulez télécharger. Si vous voulez télécharger première, vous voulez télécharger deuxième, et bien, vous cliquez sur troisième. Vous voulez télécharger première et troisième, et bien, vous cliquez sur. Soit sélectionner toutes. Et vous êtes capable de tout venir là simplement, vous faites cliquer sur tout pour que vous soyez capable de télécharger pour faire terminer. Donc, vous faites terminer ou simplement venir là, vous faites télécharger. Télécharger, bah, c'est ça, design moyen à télécharger. Le télécharger comme ça, il pourra le télécharger dans un fichier zip. Un fichier .zip simplement pour me capable extraire fichier pour me capable ouais design moi yo faire ok. À partir de là m'a qu'un besoin me aller dans download pour me capable faire un design moi download un design que je peux créer là m'a simplement faire clic droit et me faire extraire ici pour me montrer nos designs. Extrait ici et me faire oui. Donc si nous suivons là, ça c'est design que je vais créer, démonstration que je vais faire. Ok là. Ok, donc je Noël là c'est vraiment c'est très facile. Donc c'est la vidéo à terminer. Abonnez-nous, abonnez. Partage et puis pas oublier activer cloche de notification, mettez-le sur toutes de façon à ce que pour ne pas rater une grande vidéo, pour ne pas rater aucune vidéo de façon à ce que nous capable toujours adapter nous avec Canva. Donc merci beaucoup parce que nous t'es resté jusqu'à la fin.